Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pas de vidéo sur l'impression 3D, mais une vidéo pour mettre en avant vos sites internet sur les réseaux ou sur vos documents, cartes de visite ou tout ça. Je vais vous montrer comment on réalise en peu de temps et gratuitement, sans toucher l'URL, pour créer un QR code comme vous voyez ici à droite. C'est 100% gratuit. Allez, je vous laisse regarder comment on réalise ce QR code. Donc déjà, vous allez sur votre page Google, vous mettez le nom, vous rentrez le nom de votre site. Alors moi, c'est medin3d.fr pour mon site internet. Une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, après, vous pouvez faire avec n'importe quel onglet. Vous n'êtes pas obligé de faire avec celui-ci. Vous pouvez faire avec les contacts, vous pouvez faire avec la présentation, la contact. En fait, vous avez directement... vous avez envie que les gens vous envoient un mail directement, ils peuvent scanner directement là, ou autrement, ben, on peut aller sur la présentation de votre site internet. Donc, une fois que vous êtes sur la page, que vous êtes avec le bon URL, vous venez ici dans les trois petits points en haut à droite, vous cliquez dessus, vous allez sur enregistrer, partager et mettez créer un QR code. Et voilà, vous avez créé votre QR code, soit vous le copiez, soit vous le téléchargez. Une fois qu'il est téléchargé, on l'ouvre, votre QR code, vous pouvez le flasher, vous pouvez tester, il n'y a pas de souci, il fonctionne très bien. C'est comme je vous ai dit, hein, faut pas changer d'URL, autrement vous allez être coincé, vous allez devoir être obligé de le recommencer et de refaire tout vos cartes de visite ou tous vos flyers. Alors faites attention à ça, autrement c'est 100% gratuit. Allez, pour donner de la force à la chaîne, on s'abonne, on like, on partage. J'ai plein d'autres petites vidéos à vous faire. Alors, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.